une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. C'est la vidéo de nourrissage de tous mes serpents. Donc, par contre, il n'y aura que les serpents, il n'y aura pas de lézards. Donc, j'ai dû faire plusieurs séquences vidéo au fur et à mesure de la semaine et d'autres jours d'ailleurs, parce que les serpents ne mangent pas tous le même jour. Et ça fait que j'étais un peu emmerdé. Si je voulais faire une vidéo, il fallait que je fasse plusieurs séquences de nourrissage. Vous étonnez pas, il y aura un moment de la vidéo où vous verrez deux fois le même serpent. C'est un Python Regius albinos. Et du coup, vous étonnez pas si vous le voyez deux fois manger. Il n'a pas mangé le même jour. Voilà, il a mangé sur plusieurs jours d'intervalle. Donc, mais je vous tenais absolument à vous montrer ces deux façons qu'il a eu pour la constriction. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Bon, nous passons au nourrissage des deux couleuvres, donc Pantherophis guttatus lavander. Elle n'a pas vu. Impeccable. Putain, si les pitons royaux ils pouvaient manger aussi bien. Elle commence déjà à avaler. Regardez-moi ça. Elle kiffe. Ça, c'est du bon McDo, ça. Elle commence déjà à avaler. Ça fait même pas de constriction. Ensuite. Buteur motelé. Allez, vas-y. Impeccable. Ça avale déjà. Je kiffe. Allez, mange-le ton steak. Putain, on croirait que c'est trop gros pour eux. Ils sont déjà en train d'avaler, quoi. Ah, moi, ça. Bon, du coup, je vais continuer à filmer. Et il a quasiment fini. Ouais, c'est bon ça. Allez, bouffe ta dinde. Bon, on les nourrit en moyenne deux fois par semaine. C'est en pleine croissance, c'est vraiment des juvéniles. Donc, on y va franco. Impeccable. Allez, plus que les papates. Ouais, allez, vas-y. Ah ouais, c'est la petite qui a gagné. Trop belle. Voilà, buteur motelé. Et un petit bébé lavandeur. Du coup, là, on a le couple. C'est bien ça pour ma petite pupuce. Donc voilà pour les Pantherophis guttatus. Pas besoin de grand chose, une petite boîte, un peu de sopalin, une petite tasse d'eau, et puis voilà, ça roule. Bois constructeur Imperator Salmon, donc je l'ai mis dans le rack pour le nourrir, hein, pas pour son élevage, hein, il a son terrarium.
Voilà. 1m70, à peu près 4,5 kg, je dirais. Faudrait que je le repèse. D'ailleurs, il va falloir que je passe à des proies beaucoup plus grosses que ça, parce que un rat de 300 grammes, ça suffit pas du tout là. Voilà. Les mêmes blasts. Femelle buteur. Nickel. Python Régus Speeder. Ma petite classique. Avec de magnifiques couleurs. Voilà. Elle a toujours été une grande mangeuse, elle, dès le début. Python Régus albinos mâle. Bon. Elle a carrément mordu le sous-palin. Ça va être magnifique. Ah putain, elle a lâché. Et merde. Elle reprendra pas là. On va essayer. Magnifique pour la vidéo, ça c'est le top. On va la laisser. On respire tous un bon coup. On la stresse pas. On le stresse pas, c'est un mâle. On lui fout la paix. Et voilà. Python Régus albinos mâle. Impeccable. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Mettez un petit pouce vert, pensez à moi, pensez à vos amis, faites partager la vidéo et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao!